les filles, bah écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour un Ali test. Voilà, on va appeler ça comme ça, puisque j'ai bien envie de tester avec vous le lip tattoo en teinte cherry red de chez AliExpress. Donc le gros truc de ouf, c'est qu'il n'y a aucune mention d'utilisation dessus. Donc ça va poser problème. Ils disent que juste que ce qu'il y a dedans, vitamine E, rose. Huile de rose, essence d'aloe vera, essence de fruits, tout ça quoi. Donc ben, c'est tout, hein, on va tester quand même. Hein. Je pense que ça ne doit pas être bien compliqué. Alors visiblement c'est une gélatine. Oh, c'est joli. Oh, c'est pâteux. Allez, il faut pas te louper avec ça. Hein. Mais c'est une horreur à appliquer ce truc-là. Ah, c'est tout pâteux. C'est tout pâteux. Oh, c'est horrible. Alors ça sent bon, ça va. Mais tu peux pas faire les bords avec un truc pareil. Non, tu peux pas faire le rebord bien. Oh, j'en ai la bouche. Ah. Alors les rebords, on fait comment avec ce truc-là? Est-ce que là, c'est pas possible? Les rebords. C'est horrible. C'est horrible. Alors, les rebords, t'oublies, hein, il n'y a pas de rebord. Voilà, tout simplement. Alors, pour retirer ça de tes doigts. Ouais. Ouais. Ouais, ça va. Non. Ouais. Bon. Et t'es censé ça garder combien de temps? Parce que là, bon. C'est tout. Je vais me maquiller, hein. Je vous mets en avance rapide. Ah, regarde! Je sais pas si vous, vous êtes comme moi, mais là, c'est pas possible ça. Hein, dans la bouche et tout. Ah! Par contre, il sent bon, mais dans la bouche, c'est pas bon, quoi. Et moi, il y a qu'à vous que ça arrive, hein, les tests comme ça. Non, c'est horrible. Que ça sèche pas à l'intérieur, donc je vais aller me laver parce que là c'est pas possible. Regardez-moi les. Alors j'ai du dentif, je m'en suis collé partout, mais alors partout. Voilà quoi, t'es obligé de retoucher. Voilà, et en plus ça a pas fait le pourtour du truc, donc ces pattes on le pose pas bien. C'est un peu une pure galère, quoi. Et honnêtement, ça vaut pas tout le foin qu'on fait sur Internet pour ce truc-là. Donc pour moi, ce sera un big flop. Mais vous, dites-moi si vous les avez essayés. Peut-être que je retesterai une autre fois parce que peut-être que je me le suis mal appliqué. Et à ce moment-là, tout le monde va me dire, oui, mais tu sais pas le faire et tout. Alors dites-moi hein, en commentaire, comment vous feriez-vous hein, pour pas vous. Ça va, je vais aller au boulot, j'ai pas des taches sur les dents rougeâtres. Donc ça, c'est pratique. Mais au final, je vais quand même passer à mon Sephora. Comment c'est cela? Les Rouge Outrageous Extreme Liquid Lipstick en teinte 09, celui-ci. Parce que je pense que ça ira fois mieux que ça. Voilà, tout simplement. Donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez bien rigolé avec moi. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!